voilà comment s'est embrasée peu à peu une nouvelle époque d'incendie, dont aucun de ceux qui vivent en ce moment ne verra la fin. L'obéissance est morte. Il est admirable de constater que les troubles qui sont venus d'un lieu infini et éphémère ont finalement ébranlé l'ordre du monde. On n'ébranlerait jamais rien par de tels procédés si l'on avait affaire à une société harmonieuse et qui saurait gérer sa puissance. Mais la nôtre, on le sait maintenant, était tout le contraire. Il n'y a pas de folie plus grande que l'organisation présente de la vie. Les pouvoirs actuels, avec leurs pauvres informations falsifiées, qui les égarent eux-mêmes presque autant que les tourdis leurs administrés, n'ont pas pu encore mesurer ce que leur a coûté le passage rapide de cet homme. Mais qu'importe, les naufrageurs n'écrivent leur nom que sur l'eau. C'est ainsi que nous nous sommes engagés définitivement dans le parti du diable, c'est-à-dire de ce mal historique qui mène à leur destruction les conditions existantes, dans le mauvais côté qui fait l'histoire en primant toute satisfaction établie. Ceux qui n'ont pas encore commencé à vivre mais se réservent pour une meilleure époque et qui ont donc une si grande peur de vieillir n'attendent rien de moins qu'un paradis permanent. L'un le place dans une révolution totale et l'autre, c'est parfois le même, dans un stade supérieur de son ascension de salarié. En somme, ils attendent que leur soit devenu accessible ce qu'ils ont contemplé dans l'imagerie inversée du spectacle, une unité heureuse éternellement présente. Nous sommes donc devenus les émissaires du prince de la division, de celui à qui on a fait du tort. Et nous avons entrepris de désespérer ceux qui se considéraient comme les humains. Clairement et sans parabole, nous sommes les pièces d'un jeu que joue le ciel. On s'amuse avec nous sur l'échiquier de l'être, et puis nous retournons un par un dans la boîte du néant. Que de fois dans les âges, ce drame sublime que nous créons sera joué en des langues inconnues, devant des peuples qui ne sont pas encore. Qu'est-ce que l'écriture ? La gardienne de l'histoire. Qu'est-ce que l'homme, esclave de la mort, un voyageur qui passe, l'hôte d'un seul lieu? Qu'est-ce que l'amitié, l'égalité des amis?